C'est en 1980 que j'ai peint les 6 vitraux de la nef pour remplacer les anciennes fenêtres qui tombaient en morceaux, victimes de l'érosion des plombs et de la chute des verrous losangers. Aux 2 vitraux du sanctuaire, ils datent de la reconstruction de l'église en 1848. Ils sont en plomb et vert. Ils mériteraient d'urgence une restauration. Celui de gauche est dédié à Sainte Marie et celui de droite à Saint Joseph, patron de l'ancienne maison des sœurs de Saint-Vincent de Paul, devenu depuis 1976 le prieuré de Châteaufort, notre maison à tous. Les vitraux de la nef de l'église de Châteaufort empruntent à la technique de la peinture sur verre à l'aide de vernis puissants et résistants à la lumière solaire et lunaire. Ils sont patinés à l'ancienne, chauffés et insérés dans 2 couches de verre protégées par un film anti-ultraviolet. Grâce au concours des menuisiers de la base militaire de Toussus-le-Noble et à l'attention du commandant André Cliviaux, alors responsable du Saman, l'église fut dotée de nouveaux châssis pour supporter les 21 mètres carrés de vitraux actuels. Les 4 premières verrières illustrent les vieux métiers des villages de Châteaufort et de Toussus-le-Noble, et les 2 verrières du chœur sont à la gloire du Christ ressuscité et de Notre-Dame la Belle. La fauconnerie. Le moissonneur, le minotier, le tonnelier, le semeur, les compagnons bâtisseurs. Les tailleurs de pierre. Hugues de Crécy, dit Hugues le Roux, il habita le château du Gavois, dit château de la Motte. Hugues de Crécy avait un caractère violent. Le roi Philippe Ier permit qu'au lieu d'une église de bois, un chevalier nommé Aymeric en fit une de pierre. Ainsi fut fondé le prieuré de Châteaufort. Guy Ier de Montlhéry, seigneur de Chevreuse, châtelain de Châteaufort, Notre-Dame de Gloire. Le vitrail Notre-Dame de Gloire évoque les premières étapes de la vie de Jésus-Christ, de sa naissance au premier miracle des noces de Cana. Dans les oculi sont représentées la visitation, l'annonciation à la Vierge Marie, la venue des mages et des bergers, tous autour du médaillon central de Notre-Dame de Gloire, inspiré de la belle verrière de Chartres. L'attitude de la Vierge est la même à Châteaufort. Elle pose son regard sur nous et en même temps au-delà de nous, avec à la fois grandeur, humilité, pureté, compassion, expérience, sérénité, tristesse,
sourire et majesté. Les couleurs sont identiques dans les deux vitraux. Le médaillon supérieur évoque la naissance du Christ et celui du bas, le Christ lors des noces de Cana. Face à Notre-Dame de Gloire, le vitrail du Christ en gloire relate les étapes de la vie du Christ adulte et la résurrection. C'est un vitrail de la cathédrale de Bourges qui a été l'inspiration du médaillon central du Christ en gloire de Châteaufort. Les quatre oculis qui entourent le Christ en gloire évoquent Emmaüs, la descente de croix et Véronique. Dans le médaillon supérieur, la crucifixion, étape importante de la vie du Christ fait homme, renvoie au tableau de la crucifixion de Châteaufort, dont une copie orne à nouveau l'église dans son collatéral droit. Le médaillon inférieur représente la Sainte Seine. La grande rosace de 2,30 m de diamètre, fabriquée en 1998, est dédiée à Notre-Dame de toute joie, entourée d'une kyrielle d'anges, chanteurs et rieurs. Elle est située au-dessus de l'orgue pour donner de la lumière et des éclats de couleurs aux harmonies de l'instrument. C'est surtout dans ces vitraux l'histoire du curé Jacques Minard, de sa vie, de son empreinte et de sa vision laissée à Châteaufort. Sa venue dans ce village relevait d'une décision hiérarchique qui a cherché à retirer ce curé contestataire et de caractère bien particulier, artiste et rebelle, d'une ville urbaine traditionnelle qui n'appréciait pas souvent ses prises de position franches étonnantes pour un lieu où le calme de la campagne tempérerait la hardiesse de son caractère bien dynamique. C'était sans compter sur l'alchimie qui s'est opérée entre lui et les habitants des villages de Châteaufort et de Toussus, dont la nature garde tout le secret. De là naquit le renouveau du patrimoine actuel de Châteaufort, de ses vitraux, de l'acquisition de son prieuré et de la découverte de sa magnifique crypte du XIIe siècle. Crypte déblayée à main nue dans l'enthousiasme collectif qu'il a su insuffler dans ces deux villages, où il compte autant d'amis dans le camp des agnostiques que dans celui de sa communauté.